Et voilà, après un petit bug, c'est bon, on est bien sur la bonne partie. On règle juste un tout. Donc on prend notre partie avec le PSG. Avec le vieux PSG, pour être plus exact. On en était où? On était sur pas mal de matchs nuls là, ouais. Ronald nous a sauvé du. Ah ouais, ok, ah oui, on était à la trêve. On a des joueurs qui arrivent en mercato d'hiver, je crois pas. Non. Alors, on avait acheté, on a fait venir Ronaldo, Ziani, Mota, Mena. Et partir, bah, personne en fait. Après, ça va être. On va vite avoir de très gros budgets de transfert parce que. Étant donné que. On sait que on a plusieurs joueurs qui vont voir des millions qu'on a acheté rien. Parce que par exemple, c'est-à-dire que Ronaldo a acheté 1 million en tout, enfin avec les clauses quoi. Bah, même si on le vend pas cher, on le vendra 10 millions. Ben Arfa 100 000, Franck Ribéry 50 000, voilà, déjà là-dessus on va faire des plus-values pas possible. Alors, ah, ça c'est bien ça. Les joueurs en fin de contrat, qu'est-ce qu'on a là? Tout est Vicage Dorasso. Est-ce qu'il était déjà passé à Paris ou pas? Non, pas encore. Donc on va faire on va faire se réaliser le. Mais il veut pas de toute façon. Est-ce que Toté, je l'ai dans une autre partie où j'ai fait autre chose et c'était ça avait bien fonctionné. Donc on va le prendre. Parce qu'Anelka en plus va sûrement partir. Si je me fais pas trop d'illusions. Il va délaver. Ouais, non. Allez. Bon, après, quoique c'est un. 25 ans et il est sans contrat. Ça peut être pas trop mal. Mais non, plutôt, on va plutôt prendre voilà, des plus jeunes. Olich. Il est sans contrat en fait, donc dans tous les cas, moi, là-dessus, je vais faire une plus-value de ouf. Et il y en avait un autre là, 21, voilà. Boris. Oui, c'est quoi? Ouais, marquage, 17 d'ailleurs. Boris, viens donc à Paris. Ah merde. Ah là, le con. Chut, bon, c'est pas grave. Tant pis. Bah, il est sérieux, Anelka? Je sais pas. Pourtant, je le fais quand même jouer. Bah, oui. Mais bon, en même temps, il met pas de but. Il meurt pas. Donc, oui, il me désespère. Deux buts. Deux buts en championnat. Ouais, c'est quand même. Du coup, je vais le faire un peu plus. J'espère qu'il va plus se bouger. Là.
Séville. Il joue Real. Il joue aussi. Ah, je crois qu'on a un recrue. Hein. Enfin, après, en tout cas, sauf si on doit vendre des joueurs, mais sinon, est-ce qu'on est arrivé? Bon, on va voir. Bon, on va que deux, parce que. Ah non, et Ramos. Ouais. Non. Un attaquant, un milieu, un défenseur. Après, on verra si. Comment? Si. Ça va dépendre aussi de. Mais si on garde tout le monde ou pas. Déjà, est-ce que au niveau des contrats, on est bien, on a bien tout le monde. Ah, il y en a deux qui expirent. La limite. Au cochage, pas au cochage, à Laurent Leroy. Ah, ça me gêne pas trop, mais au cochage, non, j'ai envie qu'il reste. Apparemment, il meurt. Du coup, il faut économiser beaucoup. Ah non, au début, ce sera plus. Heureusement que on va. Enfin, je suis quasiment sûr qu'on va récupérer des vendre. C'est sûr qu'on va vendre au moins un joueur. Et donc. Putain, il veut se barrer à Lyon. Mais bon, on a besoin d'Edouard Cissé quand même. Ah ouais, c'est un des meilleurs joueurs, je peux pas. Je peux pas, même si c'est plus que sa valeur. On va laisser tomber. J'espère qu'il va pas faire la gueule ou quoi. Bon bah là il va jouer Anelka. Là ce serait bien qu'il nous montre que voilà qu'il a de qu'il peut faire la gueule. Dans la dynamique de groupe il est considéré comment? Ah ouais putain il est dans leader d'équipe quoi. Alors que les 2 ans. Bon. T'as 33 millions il avait été acheté par Paris. Pas sûr de leur vendre autant hein, vu ce qu'il me fait. Letizy. Attends, Chelsea lui fait une offre. Et il préfère rejoindre Al Hilal. Il est sérieux? Bon après, dans un sens, moi ça me va. Parce que, comment dire, de toute façon, en gardien, j'ai Alonso. En deuxième, mais sinon, j'ai pas... Ouais, ils sont pauvres les gardiens derrière. Donc ça me va. Mais en même temps, est-ce que je pourrais le revendre plus? Je sais pas. Plus que 600 000, je sais pas si il vaut ce prix-là ou pas. Putain, mais Sana, je vais pas aller le faire jouer en Ligue 2. En plus, par contre, je suis un peu con. Faut que je regarde parce que. Est-ce que moi je le fais quand même jouer? En même temps, je vais faire que 4 matchs. Ça veut dire qu'en fait, je l'utilise pas vraiment. Bon, on va voir. S'ils me refont une proposition, là, on y réfléchira plus. Et là, Chelsea, c'est intéressant, mais je préfère que ce soit fin de la saison. Et au moins 1 million, quoi. Fallait quelques primes sur ce. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à les augmenter. C'était mais... presque 1 million au total. 1 million plus, non. Ouais, ça sert à rien. Bon, eh bien, par contre, c'est immédiatement.
Bon, après, tant pis, hein, moi, puis, hein. Juste, faudrait que j'aille chercher un petit gardien. Vite. Alors. Povessi, Velsana en prêt. Là, il me faut des ennemis sur les salaires. Voilà. Ziani. Il reste. Cissé. Oh putain, ils font des belles. Oh là là. En même temps, c'est une belle offre. Si je peux les monter à 10 millions. Ça, on apparaît sur 100 000 pour les images. Si j'arrive à arriver à ça, à, putain, il me passe 7 millions. C'est dur parce que je suis pas sûr de. Non, mais je vais refuser. Parce que le pire. Oh là là, la terre qui veut l'être. Bon, du coup, on va aller regarder pour un petit gardien là. Viviani. Oh, je sais pas pourquoi c'est un français. Allez, hein, lui, ça peut être un peu. Bon, ce cas, Jody Viviani, oh, pas cher. En doublure, c'est bien. Ouais. Il serait pas intéressé, mais essayons quand même. 1,3 million, mais ils sont. Je vais pas le recruter aussi cher que ce que je vends les Tizi. Ils sont tarés. Ben voilà, on a 9. Bon, sinon, il y avait lui là, Carlos Kameni. Il a 17 ans. Il est pas intéressé pour signer à Paris. Et tu préfères jouer au 3,7 millions. Ils ont vu ça. Ils sont pas sérieux quand ils font ça. Et Mila Nicolas Pento. Ah, entre 3 millions 3. Bah non, mais je crois que je vais être. Ça va être un peu chaud, mais on va être avec un seul gardien. Je vais augmenter un peu l'âge, peut-être que. Primax. AS Roma. Ils sont pas intéressés pour venir. Arsenal. Voyons voir. 700 000. Je peux pas. Oh bah d'accord, mais les mecs ils sont ouf en fait. Tous des ouf. Alors lui, il a pas de nom. Un. Mais pour le délire, j'ai envie de l'acheter. Un mec qui s'appelle Un en plus avec ses petits directs. C'est un bug ou je sais pas. Le mec, on sait pas qu'il a pas de nom. C'est trop drôle. Il est trop drôle ce bug. Le gardien mystère. Donc contre Lyon. Être chaud. Ça va être chaud. Ah mais c'est la saison prochaine que je suis pas à l'équilibre. J'ai pas besoin d'équilibre. D'équilibre tout de suite. Donc qui se donne. Je vois positif. Hein. Ah oui, du coup, tiens, faut qu'on fasse jouer un peu plus sur Rixana et là on coupe, c'est l'occasion. Bah, non, je vais pas faire rentrer dans le roi. Mais plutôt faire jouer Alonso, ouais, vu que Letizia va se barrer autant que l'autre commence à prendre totalement sa place.
pas oublié ce qui s'est passé, les gars. Là. Allez, je compte sur vous. Je reviens. Voilà, je vois qu'on mène au score. Donc c'est plutôt ma nouvelle. Oh là, par contre, Hugo Léal, là, il est pas bien. Je vais vouloir le sortir. Je vais attendre cette action de jeu, là. Et puis, il a pris un coup. Allez, on va faire jouer Thiago Motta. Allez, Mota, oui. Sana. Ah, c'est marrant, Ronaldo a pris le numéro 10. Alors qu'il aurait pu prendre le numéro 7 à Sana parce que. Oh! Parce que Sana n'est pas du tout de grande importance dans le club. C'est plutôt un jeune à être prêt qui était fait pour être mais. Ouais, les gars, on va. Faut un peu plus y aller là. Je crois que tu n'as pas piraté, pas forcément. Et ça, voilà, ça va faire plus de pressing, mais dans moins d'intensité. Je voudrais pas qu'on se prenne un rouge ou un truc qui nous change le cours du match. Faut qu'on tienne la victoire. Allez, voilà, très bien. On se relâche pas. Ah bah alors Anelka a marqué déjà. Ouais. C'est très très bien. Mendy un jaune en plus c'est pas très bon là. Paralo va jouer sa place. Et Ronaldo commence à être un peu fatigué. Ta merde. Non. Oh merde. Mais tant pis. Ranaldo, tu t'es pas en championnat au prochain. Tiens, faire jouer un peu devant le roi. Anelka a bien joué, mais voilà. Je vais le préserver pour le prochain match, histoire d'être qu'il nous vienne en pleine forme et qu'il nous mette un triplé en championnat. C'est quoi cette tête un peu à la con? Voilà, les gars, passe, on en prendra en toute fin de match. Oh là 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 là, c'est rouge ça, non? Et en passant, très offensif pour la fin là. Même si ça sert plus à grand chose, mais juste pour le plaisir de mettre un deuxième but pour qu'il soit bien en confiance. Et non. Chez le Lippi, c'est l'entraîneur de qui Lippi? La Juve, ah. Ah ouais, je vais me faire piller alors, mais pas s'il pouvait attendre cet été plutôt.
Ouais, non, puis on a déjà laissé partir Pochettino. Pochettino, je sais jamais comment on dit. Du coup, autant dire que c'est plutôt mort pour en laisser partir un autre. Soit à domicile quand il y en a de mal, sinon tout le monde qui devient malade. Donc, au contraire, c'est pas la peine. Ah, oh, je le fais quand même pas mal, je lui sers. Ah, Domi, c'est vrai que lui, j'ai pas. J'ai essayé de le faire jouer au début et beaucoup moins maintenant. Bon, allez, je lui fais une promesse qu'il va jouer. Parce qu'il a joué quand même, ouais, que demain. Bon, allez, va être titulaire. Oula! Bon, vas-y, il veut être prêté, il va être prêté. Hein. Peut-être à 17 ans. Après, juste prendre tout son salaire en charge. Bon. Ah, il y a une rumeur de reprise du PSG. Peut-être pas mal. Bien que nous s'entraîne bien. Au cochon, non. Ouais, sixième quand même, on est à 3 points de la deuxième place. Bon, Marseille s'est un peu envolé devant. On a un peu lâché l'affaire quoi, à cause de ces 4 matchs nuls. Là, Lorient 8e, après on aura Lille 19e, Auxerre sera un match important. Ce qui va nous permettre de repasser deuxième le match contre Auxerre. Alors, oui, en fait, Letizy, c'est comment là, hein? Il est sur le contrat. Il va falloir qu'il se dessine un jour. Alors, aucune offre pour Bartopech. Ah, mais tout ça qui est chiant avec les prêts, c'est que t'es obligé de mettre. Ah non, je peux mettre mon spécifié. Je dis, j'ai rien dit. Avec des U, mais non, par pas. Ils sont sérieux. Mais... Je vais pas le prêter gratos. C'est énorme ça. Transfert du tout. Ah oui, c'est vrai que c'est notre gardien sans. Quoi? Ah oui,
on va reporter, ouais. En espérant que. Vas-y, on va le laisser. Ah oui, mais attends. Non, on a que. Ok, disons. Ouais, allez, on va le laisser aller jouer un peu ailleurs, ça, non. Qui progresse. C'est le seul qu'on va laisser partir. Enfin, à cette. En prêt à ce mercato. Et peut-être Berthe. Barthe Ogbesh. C'est la frie concluante. Allez. Alors là, c'est important parce que là, on a gagné un match en Coupe de France. Mais nous, on est quand même sur le championnat. Et Didier Domi doit jouer. Et. Mais Bartok Bèche aussi. Parce que il veut être prêté et faut il faut qu'il joue pour donner envie au club de prendre en compte. Alors coup d'envoi. C'est parti. Allez Anelka, refais-nous le match que tu nous as fait. Juste avant. Et Ronaldo, Anelka, il n'y a personne qui vient en soutien, rien, mais bon. Oh, dommage, ça aurait été un bel exploit personnel. Mais c'est pas fini. Ah non, 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 j'aime pas ça. Le contre. Feinduno, on se souvient de ce joueur. Ah non, 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 oh là là, j'ai eu peur. Allez. Allez, sur le corner. Oh là là! Oh, mais le poteau, quoi. Mais c'est pas fini, apparemment. Voilà, je prends le corner. Ok. Oui! Oh! C'est vraiment un match, un but à la con, bah ouais, okay, contre son camp, mais il est là. C'est bien, ça va les mettre en confiance. Ah, genre, en plus, ils sont pas contents, les types. Bah, les mecs, c'est pas nous qui avons mis le but, hein, c'est eux. Hein. Bon. Alors, on joue plutôt bien, mais on peut encore faire mieux. Allez. Allez, Anna. Ah putain, voilà, il commence. Ça me déplaire qu'il parte en vrai, hein, parce que il prend de la thune, il met un but tous les trois matchs et après ça y est, on peut plus rien dire à monsieur. Bon, c'est vrai que Ronaldo est un peu fatigué, on va faire rentrer Ribéry. Non, 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 stoppez-le moi ce d'Archeville là. Oh, 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 oh. Mais attends, on est bien en pressing là ou pas? Allez, voilà. C'est bon. Allez, Barthes, voilà, très bien. À Francky. Francky qui va. Non, ouais, qui fait à demi. Allez, demi. Montre que j'ai raison de te titulariser. Un peu longue cette passe. Mais c'est pas fini, Anelka! Anelka! Il s'étonne que des fois je le fais pas jouer pendant un moment. Allez, oh, toujours pas de train, les mecs. Croupi, il ferait mieux d'aller croupir au fond trou là. Plutôt que de nous emmener la balle dans notre camp. Croupi encore. Delmo. C'est pas Delormeau. Hein. Jamais été. Non! Mais non! Mais en même temps, depuis tout à l'heure, ça nous pend au nez, hein, on concrétise pas. On va mettre un rythme très élevé pour aller corriger ça. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est bon, le repli défensif a été effectué. Et là, on part pour le contre. Allez, Francky est parti à gauche.
Et le centre. Oh. Oh oui! Je sais pas, il a accepté, il est pas hors jeu celui-là. C'est vraiment dans la logique, c'est le gardien qui la touche, hein. Enfin, qui la remet à Léal, quoi. Tu te refuses à attendre. Est-ce qu'ils vont nous montrer le ralenti du coup? Ouais. Tac, donc là voilà. Donc attention, là, Bartok Bechti. Bah non, le gardien la touche entre-temps. Donc pas hors jeu en fait, normalement. Ah ouais, mais bon. Si les règles ne sont pas respectées, bien. Pas la peine. Hein. Hugo Léal, tiens, bah, du coup. On va te changer. On va mettre. Tiens, enfin, je vois Karim Ziani. En défense, Paralo. T'es pas où, un petit peu. Allez, Francis Yaspe. Fait longtemps qu'il n'a pas joué. On va pas encore ressortir ce match en Ligue 1, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai. C'est vrai, comme c'est la première saison, j'ai plus d'un changement. Voilà. Donc là, on peut faire rentrer par exemple. Alors, non. Alors, à la place d'Aloisio, on a personne. Ça, mais. T'en composer Mota comme ça. Voilà. Et. Apesar d'un cachier qui s'est même pas fatigué. Et bien, on fait rentrer quelqu'un. Bougez plus, quoi. Mais Anelka, il est sérieux là? Il le fait exprès en fait. Non, 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 coup pire ailleurs, toi. J'ai eu peur, hein. Non, mais c'est sérieux, ça va finir comme ça là. C'est pas possible. Oh non, mais encore du nul. La prochaine match, c'est Coupe de France. Contre Lyon. Je sais pas Lyon s'ils sont bons. Bon après, c'est pas non plus anormal qu'on ait ces résultats-là. On a une équipe qui est très très jeune. Très jeune, parce que on va aller regarder les. T'as Bartók Bech par exemple, 17 ans. Voilà. Ronaldo, 16 ans. Anna, 22. Alizio, 26. À 26, c'est peut-être un des vétérans. 23 pour Cissé, tu allais à 21. Domi, 23. 24. Bon, en défense, on est. Voilà. Mais c'est jeune hein, encore, hein, tu pour des défenseurs. Bon, et 34 ans, et les gardiens, beaucoup. Ouais, ah. Pas étonnant que soit au top top non plus. Faut le temps que ça se mette en place tout ça. En Lyon. Ouais, Lyon 12e quoi. C'est pas ouf, pas mauvais non plus en fait. Une réunion des joueurs. Ah bon? Bon, bah allez. Pas les cas quand même. Ah bon? Bah ils sont sérieux. Qu'est-ce qu'il fallait que je leur dise alors? Oh là là. Oh le scénario catastrophe que je suis en train de voir arriver là. Ça va être une. Pff, comment rectifier ça maintenant?
c'est chaud. Ah, et puis Montaigne est content de pas se barrer. Je peux pas tout seul. Oui, allez. Ah voilà, enfin. Enfin un truc qui peut le faire machiner. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour le live. Je me parais à regarder le match de ce soir. Donc voilà. Bonne soirée.